محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه الروح القدس وحلوله مع جميعكم ايها الاخوه الاخوات الى الاباء. فلتكن الان عقولنا وافكارنا وقلوبنا مرتفعه الى العلا. اليك اصرخ يا ربي اسرع الي. أصغي لي صوتي حين أصرخ إليك لتكن صلاتي كالبخور أمامك ورفع يدي كتقدمة المساء. يحيط بإكليل من الصديقين عندما تكافئني لتقم صلاتي البخور ماما ورفع يدي كتقدمة المساء. Alors là, l'histoire de cette caverne ici, il y a une date là, c'est 89, n'est-ce pas? C'était une époque où j'avais travaillé dans ma thèse la sourate al-Kahf, la sourate de la caverne. Donc j'avais travaillé l'argument d'une façon massinienne dans l'herméneutique du Coran, et j'avais aussi travaillé un peu les sources chrétiennes. Et il y a deux faits qui m'ont poussé, ils nous ont poussé. Le premier fait, c'est que nous avons nettoyé cette citerne. Et qu'en nettoyant cette citerne, elle nous a apparu peut-être ne pas avoir été toujours une citerne. Parce qu'il avait une espèce d'abside vers l'est. Donc nous nous sommes demandé si à une certaine époque, n'a pas été la chapelle des érémites de la vallée. En même temps, il y avait mon amie, la Toada, Anna la Toada, qui était une connaisseur d'arabe et d'islam et qui travaillait à l'ambassade italienne. Et elle était malade de leucémie. Et elle avait un grand ami italien qui est un peintre important, qui s'appelle Duccio Guidotti. Et Duccio Guidotti l'accompagnait, il avait été déjà veuf une fois, et accompagnait cette nouvelle amour vers la mort. Et il se trouvait à Damas avec elle, et nous sommes devenus des amis. Et on a réfléchi ensemble sur la mort. Et Duccio a approfondi avec moi, à la suite de la mort de Anna, cette idée de cet dormant, il a lu ma thèse, il s'est intéressé à la chose. Et après, il est venu ici, il est resté longtemps. Il a peint dans la grotte. Et ça, ça a relation à la pierre, à le matériel de la grotte elle-même. Mais nous nous sommes détachés de la grotte comme si on avait amené ça d'ailleurs, pour ne pas prétendre que la grotte soit le vrai lieu. Mais c'est un rappel symbolique par rapport à quelque chose qui nous viendrait d'ailleurs, mais qui en effet a été créé là-dedans.
Donc on a écrit ce texte arabe, qui était vraiment un moment d'inspiration, parce que c'est vraiment un texte islamo-chrétien. C'est un texte qu'un musulman peut lire, un chrétien peut lire. Et en même temps, ce n'est pas réduire le niveau pour être d'accord. Tout y est, mais il y est dans le langage symbolique qui permet à chacun de retrouver l'essentiel de sa foi. Beaucoup qui demandent si c'est vraiment le lieu. C'est une demande classique, quoi. Il y a même qui le croient tout de suite. Et qui, donc, il y a peut-être un Neb qui a des gens qui croient que le Saint-Dormant, c'est ici, quoi. Ça se fait, pour ainsi dire. C'est un autre lieu qui est né comme ça, comme ailleurs. Ouais. Maintenant, au lieu que dans le temps. Une fois qu'une cristallisation symbolique s'installe dans une âme personnelle et collective au point d'avoir un besoin fort de s'incarner, de se réaliser objectivement, de s'objectiver, hein, donc elle devient un lieu, on reconnaît un lieu et on en fait un lieu de visite et de retraite pieuse. Et de là, tout de suite, le peuple le reconnaît comme un objet authentique, spirituellement. Et donc, par là, il remonte à l'expérience spirituelle et il a accès au mystère. Ça devient un lieu initiatique. Alléluia, Tadayana, Maranatha. Alors, il y a certainement eu le C de Massignon d'activer ça, il y a eu un saut d'impact à cause de lui, de cette symbolique, qui est fertile à mon avis. En même temps, qui sont-ils les sept dormants aujourd'hui, tu vois? Moi, je crois que c'est là la question. Où sont-ils? Qui sont-ils? Alors, comment je dis aux moines, soyez endormis comme les sept dormants. Et actif comme eux. Là, il y a quelque chose qui est important. Mais je crois qu'on est, on n'a pas encore bien élaboré ça. La symbolique politique de cette dormance n'est pas au point. Ascétique et politique. Politique et ascétique, c'est-à-dire comment, qu'est-ce qu'il dit le dormant aux chrétiens et aux musulmans engagés dans la vie spirituelle. Et qu'est-ce qu'ils disent les sept dormants à la communauté des croyants, hein? Ça, je trouve que c'est la question peut-être aujourd'hui. Hein? Que de savoir combien ils ont dormi, écoute, c'est intéressant. Seulement, la question de savoir si c'est pertinent à notre vie, c'est d'avoir comment être endormi nous-mêmes pour pouvoir vivre endormi, hein, en ayant notre, bercé par la grâce divine, mis en paix au milieu des guerres et du manque de paix, complètement abandonné. D'ailleurs, Massignon a mis dans ses mains la barque, je dis dans ma chambre, au bout, la barque est dans la grotte de sept dormants, et il écrit en français l'abandon à volonté, hein? Que c'est sa façon de traduire la foi musulmane, l'abandon.
Shalom, O Yudhoi.